Et le plus pire dans tout ça, la semaine passée, j'apprends qu'elle est enceinte. Je ne peux pas accepter que la mère de mes enfants soit éloignée de moi. Bonjour, chers parents. Vraiment, j'aimerais vous rencontrer mon pigoumen. Ce n'a pas été facile pour moi. C'est un moment le plus difficile pour moi dans ma vie. C'est l'histoire avec une jeune fille, Trésor. Mon trésor à moi, vraiment. Lorsque j'ai connu cette jeune fille, j'étais entre la vie et la mort. J'étais prêt à sacrifier ma vie. J'étais déjà dans des bêtises, dans des pattes. Et tellement que c'était difficile pour moi, tous mes amis sont morts dans ce pâte. Et voilà que quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai croisé la fleur de ma vie. Celle qui me faisait sourire jour et nuit. Lorsque je devais me faire baptiser, j'ai obligé à ce qu'elle soit baptisée. Et c'est comme ça que moi et elle nous sommes baptisés ensemble. Et lorsque nous sommes fait baptiser, j'ai voulu à tout prix la marier, être avec elle tout le restant de mes jours, jusqu'à ce que sa mère se mette au milieu de nous, en disant qu'il faut que je la laisse. Vraiment, ce jour-là, j'ai failli me pendre. C'était tellement difficile pour moi que je n'arrivais même pas à savoir comment faire, comment vivre sans elle. Et c'est comme ça que depuis lors, j'arrive à chaque fois à tourner chez elle, mais je n'arrive pas à la voir. À chaque fois que je passe devant sa porte, sa tante me rejette. Je l'appelle, son numéro ne passe pas. À cause de moi, ils ont bloqué son téléphone. Et le plus pire dans tout ça, la semaine passée, j'apprends qu'elle est enceinte. Je ne peux pas accepter que la mère de mes enfants soit éloignée de moi. Sérieusement, si elle fait quelque chose qui ne t'a pas plu, je te demande pardon, mon amour, ma raison de vivre. À cause de toi, je suis prêt à abandonner tout pour que moi te suive. Oui, tu es mon soeur, tu es mon bébé. Vraiment, I love you. Vraiment, les amis, sachez que l'amour réel existe. Nos moments de gourmet ne sont pas les moments les plus difficiles. Tu peux avoir une épreuve dans la vie, mais sache que Dieu peut t'enlever du bas en haut pour te remettre à la table des rois. Vraiment, merci. Prenez courage à tous ceux qui ont des gourmets les plus sincères. Prenez courage. Dieu est capable de tout.